troisième jour du baccalauréat, temps insuffisant. Aucun incident majeur n'a été relevé durant ces trois jours des épreuves du baccalauréat au centre SFX d'Antanmen. Le premier jour, c'est-à-dire ce lundi, le nombre des surveillants avait été insuffisant, mais le problème a été vite résolu dès qu'il a été exposé à l'office du bac, a fait savoir le professeur Nicole Racotoirson, chef du centre du SFX Antanmen. 20 candidats étaient absents parmi les 818 inscrits dans ce centre. Chaque salle dispose de deux surveillants. Durant cette troisième journée, les candidats ont affronté les épreuves de physique, chimie et d'histogéo. La première matière a été particulièrement redoutée par les candidats. D'ailleurs, nombre d'entre eux se sont plaints de ne pas avoir eu assez de temps pour traiter le sujet en entier. Pour le dernier jour d'examen, les candidats de l'enseignement général plancheront sur le français et le SVT.